Donc, je suis là ce soir pour vous dire que tout à l'heure, j'ai vu une vidéo où on a agressé Emmanuel Keita. Vous savez, un peu que c'est un buzz. Moi, je la soutiens. Pourquoi? Parce que j'ai eu ce genre d'histoire. Et moi, je veux bien développer ça demain. Mais c'est marrant. Hein? Vous savez que moi, c'est rare que je parle de ce genre, de ces personnes-là, des Ivoiriens. Moi, je ne parle pas de mais. Comment vous pouvez aller agresser une femme et pas prendre son enfant à l'école, vous l'agressez? Comme je disais, il a eu quoi? Elle a dit quoi? Elle a insulté qui? Moi, je ne vous comprends pas. Hein? Demain, moi, je me mets à sa place. Donc, moi, je ne la connais pas, je ne suis pas la chose, mais je la soutiens. Parce qu'il y a beaucoup d'agressions. Oui. Il y a des agressions qui font très mal. Voilà. Et maintenant, c'est pour ça qu'il ne faut pas vivre dans les, il faut pas vivre dans les quartiers paumés. Parce que, bah oui. Mais oui. Parce que si tu sais que tu vis dans un quartier, tu dis que tu es riche, tu es milliardaire, tes enfants doivent être dans l'école, dans les écoles assez. Bah oui. En tout cas, moi, je te dis Yako. Et vous, les gens qui aimaient en tête vous agresser, les gens-là, continuez à agresser. La Stamania, c'est une personne que c'est amer, c'est une chose qui est amère. Hein. Tu tues les gens comme les eux-là. C'est amer. Très amer. Ah oui. Moi, je n'ai jamais été rien du tout, mais j'ai goûté. Et une manière que tu as. Donc, je te dis seulement que, Asia. Asia. Mais oui. Non, moi, j'ai vu. J'ai vu une manière que tu as. Et on a agressé, oui. Les femmes sont allées l'agresser à l'école. Avec ses enfants. Là, voilà, elle prend ses enfants. Si maintenant, on prend ces femmes-là, la police est arrivée. On fait rire. On vous prend maintenant. Vous allez mener au commissariat. Vous allez dire quoi? Elle vous connaît. Elle vous insulte. Elle a dit quoi? C'est pour ça qu'il faut faire attention. Hein? Il faut faire très attention à Facebook. Mais oui. Il faut faire très attention. Hein? Il faut faire très attention. Mais oui. Non, mais je voulais leur dire que comme ils ne sont pas au courant, parce que vous dites que je ne suis pas au courant des choses, non. Ma, mes chéris, même s'il y a deux personnes qui me regardent, même trois personnes, même s'il y a 20 personnes, je m'en fous. Si j'ai dit ça ici, c'est pour que les gens aillent regarder là-bas. C'est tout. Moi, je la soutiens. Parce que j'ai eu la même chose. Moi, je soutiens. Mais oui. Attends, moi, c'était autre chose. Mais elle, avec les femmes là, tout le monde s'est voilé. Et elle était seule, comme moi. Ça m'a fait mal. Elles sont allées l'agresser seule. Ah, mais oui. Et comme dans certains quartiers aussi, ici en France. Mais oui, la police, j'appelle la police ne vient pas. Donc voilà. Ou c'était un buzz, mais je sais pas. Mais les paquets, c'était violent, hein. Mais oui, moi j'ai dit que, hein, moi si. Ah. Quand moi je sors ici, I am the prêtre. Je vous mens pas, mes roses. I am the prêtre. Je vous mens pas. Je vous mens pas que. Et vous savez que, est-ce que vous savez que, quand, vendredi, quand je suis allé me faire les ongles et tout, il y a une, j'avais dit à Château Rouge que j'étais, j'ai une soeur à moi que je me faisais un peu les ongles et tout. Il y a une, je sais pas qui est entrée, elle est entrée. Et puis, qu'elle entre, elle faisait qu'elle m'a regardé. Et moi, je n'ai pas lâché son regard. Parce que devant moi, il y avait quoi? Il y avait les couteaux, il y avait les ciseaux. Moi, j'étais prête. Donc, elle voulait voir qui je suis vraiment, à quoi je ressemble, qui je suis. Elle est d'abord entrée, son regard d'abord. Et moi, je ne la lâchais pas des yeux.
Ah oui. Coq-pac! Maman, j'allais sauter sur sa gorge là-bas. Elle allait bouffer les ongles. Vous savez, il y a les gens comme ça. Hein. Je dis, vous allez bagarrer parce qu'on a insulté la veuve. Vous allez bagarrer parce qu'on a insulté Ngoussa. Parce qu'on a insulté. Vous qui? Est-ce que c'est un problème? Elle va vous reconnaître. Vous bagarrez pour qui? Bagarrer pour vous. Il dit, il faut bagarrer pour votre vie. Aimez-nous, mais n'allez pas loin. Il y a les fanatiques, il y a les fans. Est-ce que vous fans, vous formez d'abord un petit quelque chose, non? Quand vous devenez trop fan là, elle vous tourne au dos. Oui. Elle entrait. En plus, elle était très belle, très bien maquillée. J'ai dit qu'elle était alors très bien maquillée. Moi, j'étais là, je sortais de chez Namengo là-bas et tout ça. Moi, je l'ai seulement mis dans les yeux. J'ai dit à la femme que laisse, comme j'avais les trucs. Maman, j'avais toutes les armes pour la poignarder là-bas. Elle est venue parce que j'avais dit que je suis. Je me fais belle dans cette institution. Elle est venue, elle est entrée. La fois qu'elle est entrée, elle a permis. Oui, elle est regardée comme ça. Elle me regardait. Et j'ai su que voilà. J'étais I am the prêtre. Quand je pars à Château Rouge, je vous mens pas. Parce qu'on dit là, je suis prête. Tu me fais comme ça. Je suis prête à sauter, à bondir. Vous là. Vous allez mourir pour qui? Pour les gens comme la veuve. Vous allez mourir pour les gens comme les frères de l'île. Ou pour Emmanuel Keta. Mais oui. Les femmes l'ont torturé. Heureusement qu'elle n'est pas facile. Si c'était dans les quartiers, même la police arrivait tout de suite, on te prend tout de suite, tout le monde en prend. Et il y a beaucoup de choses qu'on ne connaissait pas. Donc, continue alors à aimer les fans. Je suis fan. Et Fleur de Lis, tu meurs à minuit. Elle disait quoi à l'époque? Elle disait quoi? Fleur de Lis, tu meurs à minuit. Moi, je meurs à minuit. Ah ouais? Elle est maintenant. Je t'attends que va la suivre dans la tombe, tu vas partir. Continue à insulter. Oui. Elles arrivent, hein. Elle regarde comme ça. Il y a une qui m'a dit, elle fait des ans à côté, elle m'a dit, mais vous êtes forte, hein. Et j'ai demandé, madame, pourquoi. Elle me dit, donc elle a vu ma morphologie, en fait. Elle me dit, vous êtes forte. Je dis, pourquoi? Elle me dit, vous insultez à Facebook. J'ai dit, ah ouais, on insulte à Facebook. Pourquoi? Elle me dit, mais vous insultez. Donc, elle me regardait un peu de bas en haut. J'ai dit, mais on insulte les gens qui nous insultent. Moi, je peux pas. Moi, si j'insulte, moi, j'insulte les stars comme moi. J'insulte Fleur de Lis, j'insulte tout. Moi, je t'insulte. Moi, j'ai dit, mais par exemple, une comme toi, je te connais pas, je t'insulte par rapport à quoi? Est-ce que tu me connais? Moi, je te connais pas. Ben, c'est tout. Eh oui. Oui. Moi, je ne vous connais pas. Tu vas bagarrer pour qui? Pour la voix joyeuse. Je te connais. On te prend maintenant. Tu penses quand la personne m'a appelé, que Madame Desgrémont, il y a eu un... Tu crois que je vais arriver pour te défendre? Non, je ne te connais même pas. Il faut être fanatique, mais avec des limites. Mais oui. Moi, voici assis sur le venin alors. Pourquoi c'est que je vais se matcher? Aïe, la police, quand je vous dis, dès que j'ai déjà fait mes plans, dès que vous arrivez, on vous ramasse. Nous tous sommes au commissariat. Elle vous a fait quoi? J'ai dit, je ne connais pas ces dames. On vous pose des questions. Elle a insulté notre soeur. Qui est votre soeur? Vous donnez le nom de votre soeur. On l'appelle votre soeur avec le numéro. Et maintenant? Ah non, je ne connais pas ces dames-là. Bah, c'est comme des moribonds. Battez pour vous, pour votre vie. Aimez-nous, vos stars braquettes, comme vous dites. N'allez pas loin. Vous croyez que c'est en agressant, c'est Emmanuel, Emmanuel qui est attaqué, vous allez avoir quoi? Vous habillez comme les Arabes, vous allez agresser, vous allez avoir quoi? Dites-moi. Parce que elle va chercher, elle va vous trouver. Elle va exposer vos vies.
avez touché. Votre ADN. On va prendre votre ADN. On va vous trouver. Ah oui. Et vous aurez affaire à elle. Elle va vous exposer dans les réseaux sociaux. Vous comprenez? Moi, je ne connais pas l'histoire de cette femme. Je ne la connais pas. Je ne sais pas qui elle est. Mais, quand j'ai vu ce que vous avez fait, j'ai dit que non. Je ne dois pas cette histoire. Arrêtez. Parce que je ne sais pas. Ouais, oui, on l'a agressé, vous avez vu, non? En plus, elle va pour prendre son enfant à l'école. Vous agressez une maman devant son enfant. Vous le qui? Emmanuel Keta, tu es une femme de bon quartier, de bonne. Viens habiter dans le 16e, dans le 12, le 92 et tout, à Suresnes et tout, plutôt Neuilly et tout, dans le 16e et 8e. Tu veux pas chercher quoi le 17e et tout? Tu vas chercher quoi là-bas, là où tu es là-bas? Oui. Parce que tu peux aider les babas ouais, avec ces filles-là. Et que tu vas te prétendre que tu es plus mieux qu'elles. Alors que tu es dans les babas ouais, eh ben oui. Voilà ce qui arrive. Elles te connaissent. Et ce qui est un peu pertinent dans ça, c'est que... Vous savez que... Il y a beaucoup de buzz aussi que parfois, je n'aime pas trop parler. Parce que j'étais un peu marrant, c'est que... Emmanuel qui était habillé aussi un peu avec le truc, avec un peu... Son visage était aussi un peu caché, hein. On dirait que c'est un... comment on appelle ça? C'est un buzz. C'est comme ça caché son... Tu vois, dans son corps. Ah oui. Ah oui, j'ai remarqué ça. Oui, c'est un tout sujet, mais attends. Yel Mava. Tu as vu comment Emma West était habillée? Elle était habillée comme si elle savait. Parce qu'elle était vraiment habillée comme si elle savait qu'il y aura une attaque. Hein? Et oui. C'est que moi, je ne suis pas petite. Hein? Moi, je suis Colombo. Pas Colombo. Moi, j'aime les détails. Moi, je me rappelle ces détails-là. Ah, bah oui. Oui, je ne sais pas. Mais pour moi, c'est que Christelle, elles étaient presque habillées pareil. Donc, à côté qu'on ne voit pas leur visage, et elles étaient habillées vraiment. C'est pour ça que je me suis habillée comme ça, parce que tout le monde était habillé un peu avec, tu vois, un peu. Oui. Mettez le cœur, s'il vous plaît. Oui. Vous savez que moi, j'aime tout. Attends. Pierrette, l'écrivain. Arrêtez un peu vos choses là. Si tu es toi qui envoie les têtes de moi, je vais te bloquer. Si vous ne mettez pas le cœur, moi je quitte ici. Hein? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent mettre le cœur ici. Non, parce que moi je suis une personne que. Moi je parlais toutes les choses, mais après, je regarde un peu. Parce que toutes ces femmes étaient habillées comme les djellabas. Elles étaient habillées comme les arabes. Ah oui? Ah! Vrai ou faux? La vidéo est là. Oui, je peux voir. Elle s'était habillée comme dans tous les jeux là-bas. Dès que ça fait quoi? Pardon, oubliez-moi avec ce vieux type là. Oui. Alors, n'est-ce pas? Elle s'était habillée comme si c'est. Mais attends, depuis quand les Ivoiriens s'habillent comme ça pour aller chercher les enfants à l'école? Moi, je trouve que c'est un buzz. Ouais. C'est un buzz. Regardez bien la vidéo. Parce que vous savez que la vôtre, je moi j'aime les. Moi j'aime. Oui, mais Nina, je ne dis pas non. Elle commence à faire ses détracteurs aussi étaient habillés pareil. Ses détracteurs aussi sont habillés pareil, hein, avec le foulard et tout ça. Pourquoi? Parce que je dis que quand je commence ma part ici, vous ne comprenez pas. Moi j'aime les détails. Alors, moi je trouve que c'est un buzz. Mais Waros, attention. Ouais, laissez. Je dis que c'est un buzz, tout ça. Parce que elles sont. Depuis quand les Ivoiriens sont habillés pareil? Non. Je dis que. Donc, on va. Moi je m'habille un petit là-bas pour aller attaquer quelqu'un. Je porte mon manteau.
Et je mets mon masque, c'est tout. Vous mentez, l'histoire, c'est faux. C'est une fausse histoire. Non, c'est un buzz arrangé. En que c'est ça. C'est un buzz arrangé. Vous savez que moi, je n'oublie jamais rien. C'est un buzz arrangé parce que tu ne vois pas. Mais qui? Aucune d'entre elles ne montre son visage. Ah ouais, ouais, et qui? Machin, tu sais pas. Pardon. C'est un buzz arrangé, dis donc. Vous voyez que c'est comme ça avec moi. Maman. Non, c'est un buzz arrangé. Mais, c'est un buzz arrangé. Non, 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 non. Laissez-moi finir avec. Moi, je ne parle pas fort. Moi, je dis que c'est un buzz arrangé. Même le bagarre qu'il y avait au fond, là, il n'y avait rien d'extraordinaire. Le bagarre, là, à la con, je n'ai pas vu. Hein. Oui, 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 vous savez que moi, avec la voix joyeuse, c'est comme ça. Hein. Bah oui. Je veux regarder encore ça bien. Le buzz, tu as vu le sang? Bah, attends, je vais aller voir s'il y a le sang. Je te filme, bien même. Je te filme, bien même. Je ne me filme pas. Ok. Tu ne me filmes pas. Ok. Je te filme. Ça sera sur les réseaux. Ok. Tu verras que je connais mon adresse. Tu connais mon adresse, oui? Connais bien mon adresse, c'est bien. Quand on a quoi? Faut quitter devant moi. Faut qu'il t'aille, il se retourne, c'est mieux. Va chercher, tu viens chercher ta fille et tu ne t'occupes pas des autres. Voilà. Là maintenant, je t'ai filmé, on va voir. Et donc, c'est très compliqué cette histoire. En tout cas, c'est entre eux là-bas, mais. Mais oui. Non, tu sais que. Et puis ce que, quand on dit que les fake news, ce qui est faux dans cette histoire, pourquoi? C'est que la personne qui filme est très loin. Et la personne qui filme est très loin. C'est un buzz. Pourquoi pour rien? Même si on peut mettre le sang de la poule, on peut mettre tout. Et tout, mais. Mais il faut. Ouais, c'est un peu bizarre. Il n'y a pas de voiture qui passe, personne n'appelle la police. Même la personne qui filme, comment la personne qui filme, je ne sais pas. Vous savez les histoires des réseaux sociaux, franchement. C'est ce qu'ils disent. Non, c'est un buzz. Parce que j'ai regardé. Parce que pour moi, c'est un film comme ça qu'on avait filmé avec Ngoussa et moi. Vous voyez un peu, parce que là, c'est un peu loin, à distance. Et vous regardez très bien. Il y a un moment même, elle regarde. Je crois que c'est elle qui a un pyjama blanc. Elle se tourne comme ça, elle regarde comme si on filmait tout. Donc voilà, donc c'était un peu ça. C'est juste pour crier et tout. Parce que pour moi, c'est pas un buzz ça. Donc, je sais pas qui c'est, ce qui s'est passé. Il y a des choses que moi, je suis quelqu'un que je décrypte. Donc voilà. Moi, je connais pas cette dame, mais je trouve que ça là, cette bagarre, c'est une fausse bagarre organisée. Voilà. Ce que moi, je veux. Parce que c'est une femme qui est maintenant prête à tout. Oui, mais parce que tu vois, un peu, c'était comme la prison. Je ne peux pas bagarrer devant mes enfants. Je ne peux pas. Il y avait les petits-enfants et tout. C'est comme si elles ont dit, bon, on organise. Et oui. Vu que le mec qui filme, elle devait filmer. C'est qui les gens là. On devait la filmer là où elle sort et puis la bagarre commence.
Mais il n'y a pas ça, il n'y a rien. Donc c'est juste un truc pour crier, il y a un qui crie et tout, et tout, et tout, et tout. Et comment l'autre femme l'a dit, ne me filme pas, ne me filme pas, va prendre ta fille et tout. Parce que moi, quand mes enfants étaient petits, moi je n'allais prendre que mes enfants, je ne regardais même pas si les enfants, que tu avais des enfants, qu'ils soient noirs ou blancs, qu'ils soient filles ou garçons. Hein. Moi je m'en foutais, moi je prenais mes enfants et je m'en allais, je rentrais chez moi, c'est tout. Bah oui, bah c'est une histoire un peu... Non, c'est glauque quand même cette histoire, ouais. Donc voilà. Donc c'est un buzz qui va faire le buzz. Non, tu sais que Ibrahim Larson. Parce que lui et moi, moi je l'aime pas trop, donc... Bah écoutez... Non. Il s'appelle que Ibrahim Larson. Bah c'est parti, si Ibrahim Larson pas des choses comme ça, donc ça veut dire qu'elle va être star. Pourquoi Ibrahim Larson n'a pas mis pour moi aussi quand j'ai bagarre avec ça? Bah oui. Il s'appelle comment? Hein? Ibrahim. Attends. Ibrahim. Ah ouais, ouais j'ai trouvé. Ah ouais, voilà, c'est ça. On a filme maintenant, voilà. Non, je te filme. Bon, asseyez-vous confortablement et on parle ce soir d'Emmanuel Keïta. Celle-là qui clash avec style. Celle-là qui gère les hommes. Ce ne sont pas les hommes qui la gèrent, mais c'est elle qui gère les hommes. Je ne vais pas trop faire durer le suspense. Qu'est-ce qui se passe avec Emmanuel Keïta? En fait, aujourd'hui, aux environs de 16h30, elle s'est habillée du mieux qu'elle pouvait pour aller récupérer ses enfants à l'école maternelle Le Pasteur. Et donc, quand elle arrive à récupérer ses enfants, elle est habillée d'un pyjama, d'une perruque, avec son trousseau de clés à la main. Il y a là aussi une femme qui est venue récupérer ses enfants. Quand la femme aperçoit Emmanuel Keïta, elle se dit, « Bah, ça, ce n'est pas Emmanuel Keïta. Oh mon Dieu, je la vois enfin et en présentiel, en fait. » Non, écoutez-moi très bien. Florine. Florian Juan, tu dis que tu n'es pas d'accord avec moi, pourquoi? Écoute ce que Ibrahim Larson dit. Bah, attends. Il y a un problème. Comment cette dame? Je ne sais pas que la célèbre Emmanuel Keïta a ses enfants dans cette école. Donc, c'est la première fois qu'elle prend ses enfants à l'école. Tu ne la connais pas. Elle est déjà masquée. Elle a les trucs et tout et tout. Et comment est-ce que c'est Emmanuel Keïta? Donc, depuis des années que les enfants sont à l'école, tu ne les connais pas. Moi, je ne savais pas les parents des autres, mais je les connaissais quand même déjà. Oui. Alors, vous savez, il y a beaucoup de choses que je ne peux même pas vous dire. Hein? Il y a souvent les réunions de parents d'élèves. Il y a parfois, pour prendre les parents d'élèves, on dit que bon, les élèves doivent faire une excursion avec les parents. On nous choisissait que c'est vous qui allez partir. Il y a beaucoup de choses. Hein? Il y a les réunions de parents d'élèves. Donc, avec tous les enfants-là, Emmanuel Keïta ne venait pas. Dans la réunion-là, elle ne venait pas. Hein? Arrêtez un peu. Hein? C'est le buzz pour rien. Dis donc. On peut tuer la police, dis donc. Laissez. Elle sort dans son portable, elle se met à filmer Emmanuel Keïta. Bon, là, je recontextualise les choses. Je vais mettre les choses à sa place, en fait. Et je pense aussi que cette vidéo, je vais la poster sur YouTube, tant bien que j'ai déjà fait une vidéo, en fait. La dame qui s'est bagarrée avec un gars est entrée en contact avec moi et elle a donné sa version, en fait. Elle dit que lorsque Emmanuel Keïta est arrivé pour récupérer ses enfants, elle était déjà aussi là pour récupérer ses enfants, en fait. Et en passant, elle n'est pas du tout ivoirienne. Elle me dit qu'au moment où Emmanuel Keïta est arrivé, elle était sur son portable, en fait. Et Emmanuel Keïta, avec ses grandes airs de madame, j'ai tout, est venue vers elle pour lui dire... Bah madame, arrêtez de me filmer. La dame lui a dit, bah madame, je ne suis pas en train de vous filmer en fait. Elle lui a dit, bah je sais que vous me filmez, je suis la grande Emmanuel Keïta. Tout le monde me filme quand je passe,
Je sais que vous êtes une de mes fans et que vous ne voulez pas du tout, du tout, mais à la mais pas du tout le reconnaître en fait. C'est là que la dame dit, ok, puisque pour vous je suis en train de vous filmer, pourtant je ne suis pas en train de vous filmer, je vais donc vous filmer en fait. C'est donc en ce moment qu'elle a commencé à filmer Emmanuel Keïta. Filme maintenant, voilà. Non, je te filme. Oui, je te filme, je te filme. Je te filme, bien même. Je te filme, bien même. Je te filme, non? Tu ne me filmes pas. Ok. Quoi? Ami de ce... C'est veuve, fais ton beau, je viens te battre avant le 5 mars 2022, c'est tout. Écoute-moi très bien. Ami de ce, je ne te connais pas, je ne veux pas avoir des gens qui sont comme toi. Tu sais que tu peux me battre, toi? Tu vas me battre en tant que qui? Bon, tu n'es plus parmi nous, donc tu attends de me battre hors sail. Bon, je te bloque, ciao. Donc voilà. Tu ne me filmes okay, pas. Ok, je te filme. On s'assurera sur les réseaux. Ok. Tu verras que je voilà. Connais mon adresse. Tu connais mon adresse, oui. Connais bien mon adresse, c'est bien. Prends ton enfant, pardon. Faut quitter devant moi. Faut quitter, oui, il se retourne, c'est mieux. Va chercher, tu viens chercher voilà. Ta fille et tu ne t'occupes pas des autres. Voilà. Là maintenant, je t'ai filmé, on va voir. Et s'en est suivi ce que je vous ai déjà raconté. Emmanuel Keïta voit ça d'un très mauvais œil en fait. Mais madame, comment est-ce que vous pouvez me filmer sans mon accord? Sans même venir vers moi pour me... Mais pourquoi c'est que... Et puis, comment Emmanuel Keïta sait que cette femme-là, elle a une fille? C'est un peu assez hallucinant parce que... Comment Emmanuel Keïta sait que cette femme-là, elle a une fille? Les histoires des réseaux sociaux, hein. On continue. Comment je suis, moi j'aime bien. Très fort. En fait, j'ai envie de faire une vidéo avec vous, ou bien même des petits snaps avec vous, pour dire à qui veut m'entendre que j'ai enfin vu Emmanuel Keïta dans la vraie vie. Quand Emmanuel Keïta lui dit, bah madame, arrêtez de me filmer en fait. Et en plus de cela, vous le faites sans ma permission. La dame se met à insulter Emmanuel Keïta. Oh, vous n'êtes qu'une mytho, vous vendez le rêve aux enfants des gens, vous êtes tout le temps en train de montrer combien vous avez de l'argent, nanani, nanana. Et aujourd'hui, regardez-vous, vous ressemblez à une va-nu-pied, à une n'importe quoi. Vous vous habillez en pyjama pour venir récupérer vos enfants à l'école. En plus de cela, dans quel genre d'école? L'école maternelle, le pasteur, c'est quel genre d'école ça? Vous qui payez les voyages aux gens tout frais payés, vous qui passez votre temps dans des restaurants de luxe. Mais je demande qui est madame. Je vous ai dit quoi au début? Ça a jamais. Emmanuel Keïta choqué, lui en reste son portable entre les mains. Madame, vous allez arrêter de me filmer. Vous voyez quoi avec ces grandes airs d'habitude là? La dame chouille hyper peine. La dame lui a montré que le coq n'a pas de dents. Elle lui a montré qu'il avait mis le dans le coco. Je ne sais pas si on dit dans le coco, mais bref, elle a copieusement tapé Emmanuel Keïta. Lorsque Emmanuel Keïta lui arrache le portable entre ses mains, mon Dieu, c'est la débandade totale. Elle a attrapé Emmanuel Keïta. Elle l'a brossé copieusement de coups. Je ne suis pas en train de bluffer. Je vais vous mettre les vidéos et vous allez voir. Elle a copieusement tapé Emmanuel Keïta. Après avoir très bien tapé Emmanuel Keïta, elle lui a arraché la perruque qu'elle avait sur la tête. Elle a arraché son trousseau de clés. Je ne sais pas comment elle s'y est pris, mais elle a déchaussé Emmanuel Keïta. Elle a tout mis entre ses aisselles, mon Dieu. Il a fallu la présence de la police pour séparer cette horrible bagarre. Il a fallu que la police intervienne pour mettre fin à cette horreur. Et laissez-moi vous dire que si la police n'était pas arrivée au moment opportun, la dame allait tirer, traîner le visage de Emmanuel Keïta sur le goudron. Bref, la police est arrivée, la police a séparé la bagarre. Emmanuel Keïta a pu récupérer ses enfants. Elle est rentrée chez elle et tout, nanani, nanana. Et j'ai envie de dire... Le harcèlement virtuel s'est transporté. Je ne sais pas si transporter c'est le bon mot, mais ça s'est téléporté dans la vraie vie. Aujourd'hui, lorsqu'on déteste notre influenceur qu'on n'aime pas, ou bien notre influenceur, je ne sais pas trop ce que je vais dire, on le suit jusqu'à dans la vraie vie et on le bastonne très bien, ou bien on lui verse un seau de farine sur la tête. J'arrête de bavarder et je vous fais passer, je vous fais défiler les vidéos. Mais
Comment est-ce que la personne qui filme ne filme pas bien aussi, il y a un problème. Non, moi je ne crois pas à cette histoire parce que vous savez, voilà. Non, je ne crois pas trop à cette histoire parce que tu sais, Emmanuel Alson, c'est quelqu'un qui aime trop. Je ne sais pas qui c'est, donc il ne parle jamais de moi. Là, maintenant, c'est un privilège, mais pour lui, pour pas de lui. Donc c'est une histoire assez un peu glauque, donc parce qu'il y a que les filles, la personne qui filme est au loin, tu vois, parce que c'est comme si c'était un truc pour organiser quoi, parce que ouais, je peux pas dire ça, mais la façon que lui il parle, parce que moi je ne vois rien. Oui, on peut prendre, je peux prendre du sang de cheval, je mets sur moi, je peux me fabriquer. C'est une histoire assez donc voilà, moi Si c'est Emmanuel là, son nom c'est quoi, il mettait peut-être d'autres vidéos, d'autres trucs, d'autres faits. Parce qu'on voit que les femmes qui sont en train de se tirer, il y a une qui crie. Vous voyez un peu, non? Il y a qu'une seule qui crie. Bah oui, mais bon. Vu que les enfants sont là, donc c'est un peu. Mais est-ce que c'est partout? Mais oui, elle vit maintenant dans quel quartier? Parce qu'une femme qui a connu cette issue-là et qui se prétend, je ne sais pas quoi, il faut. Il y a ce quartier que même s'il faut payer. Mais oui, il faut pas aller dans certains quartiers. Hein. Donc voilà. Cette histoire, c'est une histoire assez. On l'a tiré par terre, on a fait ceci. Est-ce qu'un enfant a crié là? L'enfant. Bah, quand je vois la vidéo, là, les enfants sont placés comme ça. Pour que le moment, c'est, elle se tirait là comme si elle se, la personne qui me filme de très loin. Je ne suis pas d'accord, ça c'est une fake news. Oui, ils sont. Ouais. Bon, c'est tout. Machin fait ceci, tu me connais, tu vas me filmer, machin fait ceci. L'erreur qu'Emmanuel que tu as fait, c'est quand Emmanuel que tu as dit que, mais va chercher tes enfants. Ta fille, où c'est tes enfants, ta fille. Bah, comment Emmanuel Keta, que cette femme-là, vu qu'ils ne se connaissent pas, ils ne se fréquentent pas, comment Emmanuel Keta sait que. Déjà, une femme qui est déjà. Je dis qu'elle était habillée. Non, ça c'est un mauvais buzz. Et pas que Emmanuel Keta, comment elle n'avait pas de perruque et tout, et tout, et tout. Donc voilà. Non, c'est une scène. Bah, j'ai ta fille. Comment Emmanuel Keta. Qui ne vient jamais, en plus s'habiller en pyjama et tout, et dit va chez ta fille et tout ça. Oui, et l'autre fille est là, pour être grande. Et tout ça, non. Non, j'ai. Non, ça, c'est un mauvais buzz, hein. Ça, c'est un mauvais buzz. Non, mais. C'est organisé, mais c'est mal organisé. C'est pour ça que j'ai dit que non, il y a un problème. Moi, j'aime les détails. Ah oui, pourquoi vous, non? Et moi, je veux knock ça. Mais oui. Mais oui. Mais elle la connaît dans l'école sûrement. Mais comment la connaît dans l'école sûrement? Il faut bien. Elle se connaît où? Parce qu'Emmanuel, elle connaît qui? Et que tu as. Oh, la vidéo là où Emmanuel, que tu as dit que là où la fille dit que je veux me filmer avec vous êtes ma star. Comment tu peux filmer une star qui habille en pyjama avec un truc après les trucs comme ça. Laissez ça. Non. Vous savez, MS Gucci Chanel, toi tu as tous les grandes marques. N'entrez pas dans les djoukoum des réseaux sociaux. Bon. N'entrez pas dedans. C'est un truc préparé, organisé. Elles n'ont jamais vu Emmanuel que elles ont vu où? Donc c'est aujourd'hui qu'elles ont vu. Et pourquoi la personne, quand moi j'ai bagarré ici,
Avec vous, ça ne se passe pas filmé comme ça. Jusqu'à vous avez vu mes traits de fesses. Mais pourquoi la personne qui filme est loin? Oui, où c'est Manuel, là, son quoi? Il a parlé. Qui a eu ça? Mais où est-ce que la fille a dit, Manuel, que tu as jamais filmé avec toi et tout ça, machin, ceci? C'est un truc organisé. Et Manuel, que tu veux être victime. Là, vous avez, il y a la vidéo là où la police est arrivée. Excusez-moi. Hein. Est-ce que vous. Bah, que moi, j'ai regardé les trucs de Manuel, que tu as. La police est arrivée. Je vous ai dit que moi, au début, je suis avec une personne. Et après, j'ai fait. J'ai dit que non, il y a une incohérence ici. Je ne suis pas d'accord. Et moi, je veux knock ça demain. Je veux être star derrière Emmanuel Keta. Parce que je veux parler point par point. Je ne suis pas d'accord. Vous savez que moi, la veuve joyeuse, je n'aime pas. C'est le buzz. Attendez. Attendez, oula. Non, elle allait chercher ses enfants. Pourquoi les petits enfants ne pleuraient pas? Les enfants étaient là, regardez, parce qu'ils disaient que bon, on va faire comme ça, on se tirait comme ça. Non. Là, pourquoi la personne qui a filmé de loin? Ouais. Et la femme l'a filmé de loin, pourquoi? Les Ivoiriens, écoutez-moi très bien. Vos buzz, vous faites ça, les petits buzz. Quand nous, les Gabonais, nous, on fait nos buzz, les vrais buzz. Donc, allez, on se calme là. On se calme là. Merde. La personne qui filme comme ça. Ah oui? Nous, les Camerounais, on fait les frères buzz, les Ivoiriens. Les buzz là. Donc, Nathalie, on appelle quoi? Emmanuel Keta. Sache qu'il faut lui dire que la veuve joueuse, je suis derrière elle de maintenant. Pian. Vraiment, celle-là. Tu en as tellement besoin pour faire ce genre de buzz malsain? Devant tes enfants, devant une école? Au début, j'étais soutenue, j'ai dit, regardez que. Parce que je vous ai dit que moi, je fais souvent comme ça. Et c'est là que j'ai bien regardé que non. L'histoire-ci n'est pas normale. Pour mentir qui? On ne pouvait pas mentir la veuve. Je ne te connais pas. Toi et moi demain. Je vais te mentir par A plus B. Je n'ai pas besoin de veuve. Parce que les besoins que j'ai, ça me sert à quoi? Ma page est monétisée. Putain de bordel. Et les gens qui embellissent. Et les Emmanuel là sont les bazar. Aucun embellissement. Tout non. Ah oui. Tu mens. T'es une menteuse. Le buzz. Et elle n'a jamais été agressée. Emmanuel Keta n'a jamais été agressée. C'est une menteuse. Mais qu'elle nous montre les vidéos. Moi, on m'a tapé les coups de poing ici sur la tête jusqu'à que. Ici, il y avait les coups de poing ici partout. Alors, je peux montrer, hein? Je t'avais prévenu. Je t'avais prévenu. Manuel Keta, tu mens. Moi, comme maman, on me fait souvent des trucs. On m'a dosé ici là partout. Boum, boum, les trucs sont sortis. Pour Manuel Keta, où? Où sont les griffures? Arrêtons. Et Malécrita, je te prévenir. Je te prévenir que demain, toi et moi, je veux te prévenir que arrêtons. Je veux te prévenir, je te prévenir que demain. Elle lui dit que la veuve joyeuse, Stambra Katakamounaise, je te prévenir que demain, toi et moi, arrêtons. Un mensonge. Parce qu'au début, j'ai demandé. Elle dit, hé, je te prévenir. Tu la première, c'est la première fois que moi, je mets l'histoire des. Comment on appelle ça? Voilà, les Ivoiriens. Yang. Je te prévenir. Parce que demain, toi et moi, roi, je te laisse pas. Je te prévenir. Et maintenant que tu as menté, je te prévenir. Demain, toi et moi. Regarde-toi. Tu vis dans quel quartier?
Tes babas voient des sous-cartes, la base, quand la base court, tu vas te dire que tu es quoi. Putain, viens habiter ici. Là où je vois la tour Eiffel. Va demander à HLM chez moi ici. Je te dis que. Parce que j'ai regardé l'histoire-ci. J'ai dit que. Allez, regardez. Allez. Comment on peut filmer une bagarre de très loin? Et on filme comme si on filme sur Snapchat, on zoom comme ça. Moi, j'ai eu les boss. Les vrais boss. Ah ouais. Je te prévenir demain. Non. Je vais finir avec. Arrêtons un peu. Tu sais, est-ce que tu sais, Emmanuel ou secrétaire, tu sais le nombre de personnes qui ont eu mal? Est-ce que tu es arrivé là? Tu sais le nombre de personnes qui. Mais attends, c'est la première fois que je parle de toi parce que moi je ne m'occupe même pas de vos vies des milliardaires. Donc, j'ai dit, et puis j'ai fait, j'ai dit. Et puis quand Emmanuel là, son a aussi encore fait, j'ai dit que je vais. Je crois que je vais voir peut-être quelque chose comme les blessures, les griffures ou quelque chose. Je vois seulement là où. La même vidéo que vous avez vue là, là où la personne qui est très loin. La personne est très loin. Et la bagarre se passe là-bas. Elle fait comme ça. Et regardez très bien. C'est très suspect, vous comprenez. Parce que quand ils font ça, il y avait les enfants. Il y avait les enfants placés. Vous pensez que s'il y avait, si c'était vraiment dur à ce point, les enfants n'allaient pas crier. Les enfants n'allaient pas se déplacer, même pour fuir. Non, parce que c'est un truc comme ça. Donc, j'ai dit que je tape. Je te prévenir que c'est là-bas. C'est là-bas. Moi, je veux prévenir que demain. Moi, je ne te connais pas. Mais tu as fait très mal à la femme joyeuse. Parce que je me suis rappelé quand on m'a tabassé. Moi, j'ai été tabassé. J'étais seul. J'avais personne. Mais je me suis battu. Mais toi, je te prévenis que c'est le buzz que vous cherchez à Facebook. Il n'y aura aucun buzz devant Madame Colombo. Parce que je connais les détails. Je vous ai dit que moi, je ne regarde pas la foulée que lui, il y a eu son, la tiraillot, son, on a fait ceci, aussi. C'était un leurre. Elle était habillée pour. Elle était habillée où? S'il fallait vraiment qu'on la reste. Elle s'habillait comme avec les jeans et tout ça. Là, on la reste. Attends. Tu t'habilles comme un pyjama, ton corps, ton visage est protégé, tu n'as même pas de perruque et tout. Tu pars. On dit qu'il y a la perruque. On dit que. Je dis que je te prévenir. Que moi, la femme joyeuse. Demain, toi et moi, ouais, je te prévenir. Tu ne la laisses pas tranquille. Parce que quand l'histoire arrivait, j'ai eu mal au cœur. Et j'ai regardé que. L'histoire, c'est comment ici? Et à quoi? Je voulais voir là où je vois comment on la tire dans la perruque, on la tire au sol, on l'humilie, mais rien. Tu veux quoi? Je ne vais pas finir avec ton 0, oh putain, 007 ou quoi? Enfin, je veux comment, non. Tu as fini avec lui, maintenant il fait encore contre la caisse. Non. Oui, mais moi je veux les équimoses. Moi je veux là où on voit comment t'as raclé au sol. Je veux là où on te donne les coups de poing. C'est facile. Il y a les vidéos là où elle est au sol. Mais c'est un leurre. Un moment tiré, c'est ce que ma copine a maintenant à quel point. Tire au sol. Elle était préparée pour qu'on la tire au sol. C'est le cinéma. Vous êtes tellement. Je dis que je vais vous prévenir que demain je finis avec vous. Elle était habillée pour qu'on la tire au sol. C'est le cinéma. Il faut bien qu'on parle dès qu'on a pitié. Nous, on veut les égratignures. Avec les coups de poing. Parce que la façon que la femme qui parlait là était enragée. La femme là, d'abord, pour commencer, la femme devait donner un coup de poing là, devant elle. Ben oui. Et vous dites qu'elle est méroise. La femme là. C'est là quoi, la première vidéo. La femme d'abord a dit que. Attends. Comment Emmanuel sait, Emmanuel Keta sait que. Elle là. Son enfant, c'est une fille. Va chez ta fille. Vu que. Cacharelle,
C'est pas faire quoi? Qu'est-ce que c'est pas faire? Vous aimez les japapes. Parce que vous allez chez les évêques, allez à Yopougon. Non, non, tu vois. Mais après, je suis parti à l'école en pyjama. Moi, je passe chez mes choses en pyjama. Mais bon, je vous dis. Mais vous ne comprenez pas. Vous n'avez pas le sixième sens. Vous les aimez beaucoup, quoi. Hein? Vous vous regardez. Mais vous regardez les détails. Les détails. Hmm? La femme, là, elle n'a jamais vu un jour. Oui. Et pourquoi l'insulte? Pourquoi directement on met seulement là où la femme l'insulte? À quelle manière que tu as vu la perruque? Elle était bien, lunettes et tout, tu as fait tout. Il y a eu quoi? Dis donc, c'est un buzz mal placé. Et moi, je finis le buzz là de maintenant, quand? C'est moi qui vous dis. Qu'elle nous montre les écumeaux sur son visage? Parce que le nombre de personnes qui étaient entre elles, elle devait avoir volé. Qui l'a tabassé? Qui l'a tabassé? Avec. Qui? Vous savez ce que c'est? Arrêtons un peu. Mais alors, les blessures, elle a quelle blessure sur ta tête? Envoie-moi ça, Cacharelle. Quelle blessure? Les, tu sais pas que les femmes là sont pires. Elles peuvent prendre la lame rasoir, se gratter elles comme ça, comme elles-mêmes. Elles font comme ça jusqu'à que les sangs sortent. Elles sont prêtes à tout. Dis donc, je dis que laissez. Je vous dis que. Ah. Dis donc, vous aimez Emmanuel Keta parce qu'elle vous fait fantasmer avec les make-up. Je dis que moi je veux seulement là où on voit son visage, on voit le visage qui a un coup de poing. Si je vois ici, comment on dit que. Un haut bain noir. S'il n'y a rien au visage, ça sur la tête là, c'est du fake. Ne m'insultez pas. Hein. Oui, papa. Je vous dis d'abord que ne m'insultez pas. Que si vous commencez là-bas, je finis avec vous. Est-ce que quoi? Vous devez être d'accord avec moi. Je ne veux, moi, je veux les coups de poing. À quatre fois, on voit les coups de poing. C'est... Il y a un bouquin. Un nez au bain. Moi-même, si je veux l'argent maintenant, maman, je prends les, comment on appelle ça, les rasoirs bic, jusqu'à ce que je me fais au sang ici. Je m'en vais encore, je coince au mur, ça devient rouge. Je dis que c'est. Mais, le problème, c'est qu'il y a maintenant les experts. Les experts vont déterminer ce qui s'est passé. C'est un faux buzz. Simone Anthony, ça devient démoniaque. Tu ne viens pas parler ici. Ici, on parle de ce qui est vrai. La personne qui n'est pas de quoi, la veuve, c'est venu trouver à Facebook, non? On doit parler. Si tu n'es pas content, tu parles. Hein? On doit parler ici. C'est venu me trouver ici, je connais. Tu m'as déjà entendu parler les choses des Ivoiriens un jour? Tu m'as déjà entendu parler les choses des Ivoiriens un jour? Si je parle, parce que je me suis rendu compte que moi aussi j'étais violentée. Oui? Il faut poser la question que les gens qui viennent la tabasser là, oui, c'est au nom de qui? Parce qu'il faut venir, tabasser les gens au nom de quelqu'un. Elle va porter plainte, non. Il faut que... Non, elle doit porter plainte de comment? Si on la tabasse aujourd'hui, c'est là, que tu, la police te prend là, et tu portes plainte là. Ouais, c'est là qu'on peut porter plainte. Parce qu'elle va se fabriquer les preuves. Vous vous souvenez, il y avait une dame aussi comme ça, où c'est avec quoi, elle était belle comme ça, là, vous vous souvenez, avec son gars. On a dit que elle était avec le même type que le type là, tabassé. J'ai dit que quoi, que c'est faux, non. On est où aujourd'hui avec l'histoire là? J'ai dit, papa, je ne sais pas où, papa. Mais j'ai regardé la vidéo sur YouTube, il n'y a rien. Mais. Les Waro, j'étais sur YouTube, non? En fait, je vois sur la vidéo là où on a filmé. Comment on peut me filmer?
Mais attends, tu fais, c'est mon indéné. Je n'ai pas les gens qui me tiennent tête. Hein? La vidéo, là où on filme, je veux là où on filme comme on veut filmer. Dis donc. Non, moi je regarde les détails. Elle a porté plainte aujourd'hui. Mais oui, et elle a montré son visage. Ouais, et Annie. Mais j'ai dit que moi je la connais pas, moi je veux, parce que moi je veux montrer mon visage comme c'était tumifié. Donc elle se ne montre pas ça, parce que les filles là qui étaient enragées là, si on devait la démolir là, des gens petits bandits, ils filment à distance. J'ai dit que non. Ah oui, moi j'étais victime des réseaux sociaux. Elle n'est pas victime. Et si il faut que moi je la détruis, moi je peux détruire Nathalie. Elle s'appelle Nathalie, quoi. Je finis avec elle. Parce que quand tu sais que tu as été victime de quelque chose, de vrai, et qu'elle ne l'a pas été, je ne suis pas d'accord. Elle doit se filmer. Elle nous montre son visage. Elle nous montre ses doigts. Comment les ongles sont cassés. Parce que la façon qu'on l'a tiré là. Parce que c'est faux. C'est faux. Moi je veux ça. S'il n'y a pas de preuves. Si elle ne va pas fabriquer les preuves, je veux les vraies preuves. Tu dis que je suis, que c'est l'acharnement. Ma chérie, Simone Andéné, moi je ne la connais pas cette femme. Moi, c'est la première fois que moi je viens parler des histoires des Ivoiriens. Parce que ça m'a fait, j'ai eu mal au cœur. Quand j'ai appris qu'elle a été agressée. Tu vois un peu? C'est tout. Mais moi, je veux les preuves. Nous, on veut les vidéos. Là, on la voit. Arrêtez un peu. Qu'elle n'a pas porté plainte. C'est faux. I am not happy. This woman. On dit que quoi? She's a lying woman. Elle ment. Et là, je vais aller très fort avec elle. Hein. Je ne suis pas d'accord. Elle s'appelle quoi? Emmanuel Keta. C'est elle, non? Je suis non. Arrête un peu. Arrête. Parce que tu ne sais pas ce que c'est qu'une femme battue, une femme harcelée, une femme à blesser. Ce que tu as fait là, moi, ça ne me plaît pas. Tu mens. Et c'est moi qui vais te finir à Facebook. Parce que quand moi j'ai fini, que quand j'ai fini. Non, tu mens. Tu es une menteuse. Et c'est pour ça que je parle. Parce que depuis qu'il y a vos choses là, moi je ne parle pas. Tu n'as jamais été agressé. C'était un truc monté. Donc, tu nous montres les preuves. C'est tout. Tu sais pas ce que bagarrer avec une meute de femmes. Tu as bien été combien contre sur toi? Elle est blessée sur la tête. Bah, c'est marrant. Quand vous dites qu'elle est blessée sur la tête, mais je vous explique quoi? C'est un leurre. Elle pouvait se blesser tout seul. Où est sa perruque? Apparemment, elle était avec la perruque. Elle peut se blesser. Elle peut prendre le rasoir. C'est. Enragé comme ça, et ce courrier, c'est. Oui, elle s'est blessée sur la tête. Avec toute la remonte, les fonds, la personne a touché son visage. Vous êtes tellement les ignares. Vous comprenez? Vous êtes les femmes que vous ne comprenez rien de la vie. Moi, j'aime les détails. Donc, avec toutes les fonds, elle n'a même pas eu les égratignures. Ses os ne sont pas cassés. Elle n'a rien eu. Donc, les femmes l'ont aimé tellement qu'elles ont seulement cassé sa tête. Elle s'est blessée sur la tête comment? Attends, il y a eu quoi? Il y a eu une bouteille là. Devant l'école, il y avait une femme qui avait une bouteille devant l'école. On est où là? Voilà. J'ai été aimé, donc j'ai raison. Hey. Dis donc, laisse ça.
Ce que moi, je peux bagarrer avec une femme, je ne te donne pas un coup quelque part là où je sens ça bien. Mouf. Même pas les égratignures. C'était une bagarre de quoi de coq. Mouf. Mais non, la veuve, elle est partie à la police. D'accord. Et elle a dit quoi la police? On l'a agressée. Il y a eu quoi la police? Elle vous a montré son visage. Parce que son visage. Parce qu'il faut qu'on nous montre les preuves. Parce que moi, j'ai mes preuves de tabassage. Moi, je peux montrer. Que moi, m'a fait, moi j'étais tout seul. Oui, mais elle, avec toutes ces femmes-là qui l'agressaient là, dont personne n'a eu touché son visage, même les gratinures, rien du tout. C'est parce que c'est. Elle a vu, elle est partie. Putain. Bon, Simone, je t'aime bien. Je te quitte dans mon gouvernement. Au revoir. Va les mettre. Ouais. Vous savez même ce qu'on appelle la bagarre. Aucune égratignure. Les organes sont intacts. Tout est intact. Non, mon test, c'est. Non, c'est mardi que je fais mon test. Oui, c'est mon test mardi. Les rois, je vous laisse. Il faut dire, Emmanuel, que t'as que. Devant son fils a pleuré. N'importe quoi. Elle a été agressée devant son fils, c'est ça? Et le petit garçon qui était placé, il a pleuré. C'est un leurre. Tu ne connais pas les Ivoiriens. Quand les Ivoiriens veulent faire un leurre. Moi, je connais les Ivoiriens. Même elles sont ici avec moi. J'ai fait des tortures avec les Ivoiriens 50-50 euros par semaine ici. Ce sont des gens qui ont fait les pouvoirs. Qu'on organise. Elles organisent comme dans les films. C'est tout. L'enfant a pleuré. Pourquoi on n'a pas pris les enfants parmi elle, pour mettre les enfants à côté? Pourquoi les gens passaient? On les laissait. C'était un truc que ma chère a fait ceci. Non, je n'accepte pas. Quand vous voulez faire un vrai buzz, tapez-vous comme la veuve Jarosse fait. Hein? C'est un leurre, ouais. Dis donc. Si vous voulez, les Ivoiriens, si vous voulez faire le buzz à Facebook, faites comme les Camerounais, parce que nous, on fait pour nous que, ouais. Les coups de poing sortent, les bouteilles sortent, ouais. Arrêtez de faire parce que vous, comme maintenant c'est le mois de décembre, il vous fait un peu de sous. Non, je suis pas d'accord. Donc, Emmanuel, que ta gueule là, son ça. Demain, il faut lui dire que la voix, je vais sur elle. Je vais donner tous les détails. Parce qu'elle ne sait pas ce que c'est. Quand on dit qu'on agresse, que les gens agressent une influenceuse, parce qu'elles sont des influenceuses, vous savez pas ce que ça fait. Parce que moi, quand on m'a parlé de ça, j'ai dit, hé, hey, j'ai pensé à Doussaga. J'ai mis ça. Donc tu sais pas ce que ça fait. Ça fait très mal. Oui. Tu sais pas ce que c'est que l'agression. Avec parmi toutes ces femmes-là, il n'y a aucune qui t'avait gratté le visage. Hein? Il n'y a aucune qui te touche le visage, aucune qui t'arrache, mais son père, qui te tire vraiment ce qu'on te tire là comme mouf. Elles étaient combien sur toi? Et c'est toi qui. Laisse ça. Emmanuel Keta. Sache que. On. Quand on fait quelque chose, sache que tu vas trouver la veuve joyeuse devant toi. Je vais déstabiliser ta théorie de l'agression là. C'est fini. Je vais te montrer que moi j'ai été agressé. Moi j'ai les preuves. L'agression là. Et ton ami que tu as envoyé là, qui filmait à distance là comme ça. Bac, bac, bac. C'est un leurre. On ne joue pas avec l'agression. Eh oui. On ne joue pas avec. Donc, la première femme, parce que tu t'es moqué des femmes qui se font agresser, qui se font violer, qui se font malmener dans les réseaux sociaux, tu t'es moqué de nous. Sache que moi, je suis derrière toi. Tu ne me connais pas très bien. Emmanuel Keta, je finis avec toi. Parce que tu mens, tu es une menteuse. Je ne sais pas qui tu es. Je ne veux pas savoir qui tu es. Tu sais pas ce que c'est. Moi, j'étais une femme agressée. Oui. Il y a les preuves. Quelles preuves tu as? Elle est allée à la police. Quelle police? Mais un truc organisé. Tu sais pourquoi? Pour faire le buzz pendant les fins d'année, quand on parle de toi. On ne parlera pas de toi. Je vais te dire que je vais t'éteindre. Donc, Emmanuel Keta, moi je suis un petit piment, je suis une femme camerounaise. Mais moi je vais t'éteindre. On est que là. Parce que moi je vais te prendre. Je vais t'éteindre, Emmanuel Keta. C'est fini là pour toi. Maintenant, tu sais ce que c'est? Que l'agression? Que tu es seul et que les gens viennent t'agresser? Tu as peur de ta vie, tu as peur de l'humiliation et ça. Tu sais ce que c'est? Hein?
C'est pas. Tout ça pour le buzz. Tout ça pour faire le buzz des réseaux sociaux, pour qu'on vous aime encore plus, pour que vos fans. J'ai dit que moi, je n'ai pas de fans. J'ai dit que je ne te connais pas. Mais il faut savoir que moi, j'ai agressé deux fois. Donc, toi et moi, rendez-vous demain. Je vais finir avec elle. Arrêtons un peu, on est où là? Mais vous êtes bien, vous avez fait le sein, les fesses, le ventre, les fesses, vous voulez encore quoi? Maintenant, c'est les bagarres que vous organisez justement pour avoir le buzz? Vous n'êtes pas très belle, vous n'êtes pas très belle? On vous a pas assez vu? Vous savez ce que c'est? Je ne te connais pas, moi, je ne suis pas dans vos choses. Mais quand on m'a dit que tu étais agressé, j'ai eu mal. Et c'est devant les gens que j'ai dit que... Tu es une menteuse. Je ne te connais pas. Sache qu'il faut lui dire que la veuve joyeuse. Oui. Parce qu'avant que toi, tu n'arrives à faire votre cinéma que tu fais là, tu m'as vu quand même quelque part. Je suis une Camerounaise. Je ne te connais pas. Tu es une menteuse. Mais on ne joue pas avec ce genre de choses. Parce que tu as heurté ma sensibilité. Tu entends? On ne t'a jamais agressé. Ferme-la. Je ne sais pas à quel âge j'ai fait la vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée. Mais je suis venu là pour parler parce que je me suis rappelé mon histoire. Quand on dit agresser quelqu'un, vous ne savez pas ce que c'est. En plus, c'était comment? Tu étais seul. Tu étais seul. Donc ça m'a vraiment fait mal. Parce que moi, j'étais seul. Et moi, j'ai reçu les coups. Et moi, je me suis battu. Seul. Mais moi, j'ai eu les coups. Moi, j'ai tout eu. Toi, tu as eu quoi? Rien. Tu as été blessé par la tête. Putain de porter, tu sais ce que c'est? Tu sais ce que c'est? Emmanuel, tu sais ce que c'est? Moi, je vais te porter plainte. Pardon. Mais ouais, je vais aller voir mon médicament. Non, mais ça m'a... Vous savez que je suis un peu une femme émotive et tout. Donc, quand j'ai vu ça, moi, j'ai jamais parlé. Est-ce que vous m'avez vu parler des choses des Ivoiriens ici? Mais quand on parle de la violence sur les réseaux sociaux et tout, moi, j'ai dit que bon, j'ai aussi eu ça. Je veux savoir qui sont ces femmes-là. Est-ce qu'elles les connaissent? Elles discutent quoi avec elles? Vous comprenez? Arrêtons un peu d'être comme ça. Non, elle a raison, mais elle a eu mal à la tête. Avec les hommes qu'on a essayé. Maman, elle n'a pas eu un coup de poing. Rien. C'est la tête qu'elle a eue. Arrêtons un peu. Donc, Emmanuel, que je ne te connais pas. Je suis la voix joyeuse. Je veux finir avec toi. Parce que tu ne sais pas ce que c'est que la violence. Quand les copines t'attrapent quelque part, c'est que tu es seule. Et que tu dois te défendre seule. Tu ne sais pas ce que c'est. Alors ferme ta gueule.